Le lieutenant-colonel John By est né en Angleterre en 1779. Il est mort en Angleterre en 1836. Mais entre les deux, il devient l'architecte, l'administrateur et la mascotte du Canal Rideau à Ottawa. Non, le Canal Rideau, c'est pas un poste de télévision spécialisé en revêtement de fenêtres. C'est une voie navigable qui relie Ottawa et Kingston. Et en 1826, c'était le plus gros projet d'infrastructure au monde! Plus de 2000 personnes ont participé à la construction du Canal Rideau. Militaires, civils, anglophones, francophones. Et pour permettre à tout ce beau monde-là d'exister, le lieutenant-colonel John By a fait construire une ville avec un marché, le fameux Marché By. Le Canal Rideau comporte 50 barrages et 49 écluses. Et la plupart fonctionnent encore aujourd'hui, contrairement à n'importe quoi que tu achètes sur Amazon. Le canal a été creusé à la pioche, à travers des forêts et des marécages. Les murs du canal sont faits de pierres massives taillées sur place. Les 200 km du canal ont été complétés en seulement 5 ans. Ça a pris 7 ans pour construire le train léger à Ottawa sur 12 km. Pour profiter de la plus grande patinoire au monde, ben, pitchez-vous dans le canal avec vos patins puis attendez que ça gèle. Mais pour découvrir les francophones qui fréquentent les marchés d'Ottawa, ben, écoutez le prochain épisode d'HQ. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec!